Avant le démarrage de cette séance de formation des populations d'Azovin et environ, sur les premiers gestes de secours, le préfet du département du Koufo a rappelé les malheureux cas d'incendie survenus à Azovin. Autant il faut prendre les dispositions pour parer à ces incendies, autant les populations devraient avoir le réflexe des premiers gestes de secours afin de limiter les dégâts lors de ces incendies et autres incidents, a fait savoir Christophe Megbedi. Et donc nous avons décidé au cours de notre dernier cadre que les sapeurs-pompiers viennent renseigner les parents sur ce qu'ils doivent faire, les premiers secours, les premiers gestes, premier comportement à adopter pour sauver les parents qui sont en difficulté. Une crise, un accident, quelle doit être notre réaction? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dégagement rapide des victimes pour pallier au pire en cas d'accident. Signal d'un cas d'accident au service de secours. Comment venir au secours à un blessé lors d'un accident? Plusieurs scénarios ont été abordés par les sapeurs-pompiers qui assuraient cette formation. Les premiers gestes que doit faire tout citoyen en cas de malaise, accident de circulation de la voie publique, accident domestique, accident de travail, toutes sortes d'accidents. Bon, ces gestes consistent à leur donner satisfaction à secourir ces victimes d'accidents en leur donnant des soins qu'il faut, en leur pratiquant des gestes de secours. Bien qu'appréciant toute l'importance de la séance, certains participants exhortent cependant les autorités à rapprocher plus les services de secours des populations du Koufo. C'est bien ce qu'ils ont amené, c'est bon pour ça va nous protéger. Il y a beaucoup des incidents et de feux qui se passent dans nos dépôts d'essence à Azovin ici. Et les temps que les sapeurs-pompiers vont mettre pour venir ici, le temps-là, ça dure beaucoup et ça cause beaucoup de dégâts. Donc c'est pour cela que moi je proposerais à nos responsables de rapprocher la direction des sapeurs à Azovin ici. L'exécution de quelques cas d'exercice pratique rassure d'un minimum de maîtrise des premiers gestes de secours par les participants à la fin de cette formation.